Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Zombie Castaways. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo sur le petit Zombie Castaways, c'est juste que j'étais pas là. Donc voilà, qu'est-ce que je te dis, moi j'étais pas là, voilà, bon. Ouais mais t'étais pas là, mais en attendant il y avait quand même des vidéos de Clash Royale, hein, donc comment t'expliques ça? Bah j'explique ça parce que j'avais eu le temps de les faire à l'avance et voilà, et donc fait pas chier. Donc du coup maintenant on va jouer à Zombie Castaways, on va voir le petit bonus quotidien, comme d'habitude, et hop. Métal. Ouais, du métal si t'as envie, comme j'ai dit la dernière fois. Je me demande comment il va faire du métal. Qu'est-ce qu'il va en faire à la main comme ça? C'est un peu bizarre. Voilà, donc du coup, rejoins le jeu. Oui, donc voilà. Donc, ah, c'est tout. D'accord, ok. Ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. En attendant, il y a quoi d'autre? Du marbre, ouais. Donc il nous faut du marbre. Il nous faut du marbre noir. Des cônes, oui, si t'as envie. Voilà, donc. On va voir un petit peu quand même où on en est. Oui, effectivement, ça a quand même pas mal évolué entre-temps. Ouais, bon. Alors, j'ai juste un petit truc à vous montrer. Dès que, en fait, regardez. Si on regarde bien, donc là, on récupère ce qu'il y a. Ouais, donc ça, c'est les puits qu'on peut construire. Et en fait, les puits ne sont pas illimités. Les puits ont un nombre... bon, regardez, là, c'est écrit 100. Et en fait, j'ai récupéré 21 outils sur 100. Vous voyez le truc un peu? Voilà, donc en fait, on peut récupérer que 100 outils maximum. Et après, ça détruit le puits. Et du coup, bah... Et bah du coup, après, il n'existe plus, hein, voilà. Donc, regardez, on récupère celui-là. Hop, on le récupère. Qu'est-ce que ça donne? Attention, voilà. Hop, on récupère un max de trucs. Parce qu'en fait, il devient en or. Et puis après, bah hop, il disparaît. Donc celui-là, bon, c'est le puits de départ. Celui qu'on a dès le début. Donc, il reste... bon, en fait, je sais pas. Il y en a, ils disparaissent, il y en a, ils restent. Donc, c'est peut-être. Ouais, vous voyez là, par exemple, il me faut de la peinture rouge pour pouvoir. Et malheureusement, je l'ai pas la peinture rouge. Non, je l'ai pas. Mais voilà. Donc, après, il faut aussi du B de stick, du bambou. Enfin, bon, il y a plein de trucs. Ça dépend des trucs. Mais il y a des fois, vous pouvez les reconstruire une fois qu'ils sont détruits. Mais combien de fois, je sais pas. Je sais plus comment c'est. Je crois que celui-là, j'avais déjà construit. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'est détruit là. Et qu'il s'est pas... ouais, enfin bon, je sais pas trop. Mais voilà, mais en tout cas, c'est pas illimité quoi, les puits. Hein. Donc c'est vrai que ça m'embête un peu quoi. Parce que du coup, c'est chiant quoi. Il faut gérer le truc. Hop, on récupère ça. Et franchement, on avance petit à petit, mais on avance bien. Voilà, vous avez vu tout ce qu'on a. Il nous reste encore pas mal de choses à détruire tout ça. Mais malgré tout, quand même, on est plutôt bien, je trouve. Pour l'instant, on a rien de nouveau. Alors juste, voilà, alors, je vais vous montrer un petit truc. J'ai découvert ça. Le problème, c'est que pour construire ce bâtiment, je dois faire la tâche moulin. Seulement, le problème, c'est pour faire la tâche moulin, je dois terminer la quête bâtiment. Bâtiment juste là. Termine la quête gestion. Mais pour terminer la quête gestion, il faut atteindre la grande terre. Et le problème, c'est que la grande terre, bah, pour l'instant, eh ben, on peut pas y aller. On déterre ce qu'on peut, hein, petit à petit. Voilà, on avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un petit trésor, dis donc. Bah, vas-y, récupère-le. Allez, oh! Voilà, c'est quoi ça? Niveau 13! Les gars, on est niveau 13, tirelire éléphant. Tirelire éléphant. Mais ça sert à quoi une tirelire éléphant? Oh, c'est un puits ça où je rêve? Ah, c'est un puits à eau. Oh, en plus, on a ce qu'il faut quoi. Bah, direct! Direct! Allez hop là, ça c'est fait les petits. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va essayer de construire ça. Alors, hop, on construit. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, c'est que une première étape. En dedans. Voilà. C'est que une première étape. Il nous manque encore deux étapes. Donc, la deuxième et la troisième. Ça risque d'être long. Ça... Oh, encore du poison, il nous faut. Oh là là, il nous faut des clous, il nous faut des planches. Oh putain! Et ça va être long. Ah, ça va être super long. Attends. Oh, attendez. Pour construire ce bâtiment, tu dois ouvrir la tâche. Et comment on fait? Vas-y, montre. Comment on fait? Termine une quête, le profit. Ah, d'accord, les gars. Ah ouais. Ne regrette pas de dépenser des matériaux ou des efforts. La construction est toujours un bon investissement. C'est vrai qu'il n'y a pas tant que ça à faire. Donc, genre, on va utiliser ça, au moins c'est fait. Il nous faut du marbre blanc. Ce que je vais faire, c'est que je vais économiser. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Vous pensez qu'il y a assez de marbre blanc? Moi, je pense que oui. Après, je suis pas sûr, hein, des fois, un ou deux marbres. Eh ben, nickel. Nickel. Non, mais attends, bah, c'est génial. Ouais, c'est parti. Troisième étape, qu'est-ce que ça donne? Alors déjà, on voit qu'elle est presque finie d'être construite. Voilà, donc il faut un peu de marbre noir, on a ce qu'il faut. Il faut du bambou, on a largement ce qu'il faut. Et il nous manque un seul marbre.
vert. Eh, c'est quand même dégueulasse. Là, qu'est-ce que ça donne? Attention, le suspense. Ah, ça fait 5 planches de bois. Eh ouais, non, mais c'est... Ah ouais, non, mais tu vois, 5 planches de bois. Donc, c'est parti. Hop, on crée une petite planche de bois. Et voilà, on a fini le truc, le profit. Ne regrette pas de dépenser des matériaux, des efforts, machin. Ok, voilà, nickel. Alors, juste comme ça, on va voir un peu ce que ça donne. Ah, d'accord, on avait déjà une planche. En fait, on en gagne qu'une seule. Ah, ouais, non, c'est le petit piège. En fait, c'est parce qu'on avait déjà 5 planches. Et en fait, on en gagne qu'une seule. C'est quand même des... Hein, bon. Ah, donc maintenant, on doit faire ça. Donc, déjà, on va utiliser les bûches qu'on a. On va utiliser le marbre noir qu'on a. Et il nous manque des planches à faire. Ok. On a pile ce qu'il faut parce que... Hein, voilà, on n'est pas non plus riche à milliers. Oh, en plus, on a ce qu'il faut. De la corde, on a de l'améthyste. C'est pile de chez pile, 15 sur 15 améthyste. Du bambou, on a ce qu'il faut. Franchement, c'est parfait, c'est parti. On est prêt pour aller à la grande terre. Notre mission ultime. Allez, allez, ça donne quoi? Aller à Lille? Bah ouais, carrément, j'ai envie. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Petit chargement. Oh, chargement assez rapide. Grande terre offre de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres. Le voyage ne doit pas prendre fin à peine commencé. D'accord, ok. Donc du coup, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, appuie sur la tombe d'un tailleur et demande-lui de commencer à couper une pierre. Attends un peu et récolte ensuite les pierres de la tombe. C'est génial. Appuie sur un arbre et commence à l'abattre avec à l'aide d'un bûcheron. Mais c'est génial. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, je sais pas, tu creuses là où tu veux, gros. Je m'en fous, voilà, je suis comme ça, moi. Voilà, tu vois, on est comme ça, bah ouais. Alors... Ça va, on a pas mal de trésors. Tu as trouvé un trésor secret, continue à creuser sous ces objets. Mais génial, génial. Oh, vous avez vu tout ce qu'on gagne? Oh là, en plus là, qu'est-ce que c'est que DR? Je sais pas ce que je fais. Oh là, on gagne un max, là, on gagne un max, les gars. Oula, bah allez, oula, mais c'est... Oh, mais c'est génial! Vous avez vu ça un peu? Oh là 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 là. Oh, mais dis, c'est la débandade aujourd'hui ou ça se passe comment là? Et franchement, ça fait plaisir. Il reste encore 11. Bah vas-y, creuse, creuse, on est des fous, nous. Ah, et en plus, on peut faire ça. Oh, et ça donne quoi si on fait ça? Max de trésors, c'est ça? Carrément, et franchement, oh là 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 là, et ça fait trop plaisir. Bon, ça coûte un peu cher, j'avoue, mais ça fait plaisir. Eh, mais ça se finit un jour ou ça se passe? Merci. Donc, on a gagné combien? Eh, j'ai même pas vu combien on avait gagné. Attends, hop, déjà, la progression, on a fait ça. Il nous manque quoi? Appuie sur la tombe d'un tailleur de pierre. Ah, voilà. Alors, appuie pour tourner, pour gagner un prix. C'est parti, qu'est-ce qu'on va gagner? Allez, allez. Ah, il n'y a pas des tickets à gagner, hein. Bizarrement, tu vois, ça, par contre... Ah, donc, engrenage, ouais, pourquoi pas. Et ouais, il y a différentes possibilités de créer de la planche. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, juste comme ça, on va juste revenir et après, on va terminer la vidéo. Parce que c'est vrai que ça fait un petit moment déjà qu'on joue, là. Bon, voilà, on a découvert la grande terre. On a vu un peu ce que ça donnait, tout ça. Oula. Je zoome... Enfin, ouais, je dézoome un peu trop, hein. Voilà, donc améthyste, on s'en fout un peu, voilà. Alors juste comme ça, on va voir un petit peu, parce que j'avais vu tout à l'heure quelque chose qui avait besoin du bois, justement, donc du coup, voilà, je voudrais voir ce que ça donne, non, c'est pas lui. Ah là, c'est ça, c'est pour la crypte. Non, tu vois, voilà, non mais bon, il me semblait bien qu'il y avait quelque chose, tu vois. Voilà, donc ça c'est fait, est-ce qu'on peut encore? Ah, malheureusement non, il me faut des clous, que je sais pas du tout comment on récupère. Tu peux fabriquer des clous dans le phare à partir des câbles et d'engrenages. J'ai pas de phare, le petit phare, voilà, à 15 000, que je vais mettre, je sais pas, je vais le mettre là, voilà, hop, le petit phare. Comment on le construit? D'accord, donc j'utilise les pierres, j'utilise le ciment, au moins c'est fait, et après des planches, il me faudra des planches, voilà. Donc, j'essaierai de le construire pour la prochaine fois, et puis voilà, donc on verra bien ce que ça donne, ce que ça donnera, et puis voilà, bon, on va se quitter là. Alors j'avoue que j'ai pas été trop dynamique dans cette vidéo, juste que je suis un peu fatigué en ce moment. Bon, voilà, c'est pas, je pense que c'est pas non plus extrêmement grave, mais c'est vrai que c'est un peu moins dynamique, mais bon, voilà. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis n'oubliez pas, restez cool.